Ah bah très bien. Ça y est, ça c'est fait aussi. Mazette. Depuis le temps que je devais le faire. Et pareil, il faudrait que je le fasse aussi au niveau du, au niveau de tout ce qui est quartz là-bas. C'est pas fait. Tout ce qui est quartz aussi, pareil, c'est pas fait. Je vais pouvoir mettre mes crottes ici, là-dedans, là. Salut Shaolin. Shaolin, pardon. Shaolin. Grand maître devant l'éternel, bienvenue à toi. Ça je jette, ça aussi ça dégage. J'ai trop de fils actifs, ça dégage. La vis j'en ai pas besoin. Le plastique je m'en fous, ça je m'en fous. Ça je vais le garder, ok, j'ai besoin de faire une vitre ou deux. Vous voyez encore des trucs qui vont tourner, hein, genre ça, pour l'instant c'est... Pour l'instant ça va tourner. Ok. Faudrait, je vais aller chercher des tuyaux, je vais chercher du MK3 et on va réfléchir à où est-ce qu'on met la base des dissipateurs de chaleur. Parce que parce qu'il me faut et des tôles, donc ça j'en produis déjà, des boîtiers en alu là. Il me faut des trucs de cristaux. Donc des condensateurs à cristaux là, des oscillateurs à cristal. Donc ça j'en ai là-bas. Et il me faut un troisième truc. Les ordinateurs. Et il me faut les ordinateurs. Donc je sais pas si je vais faire le bâtiment qui produit à ce niveau-là. Est-ce que je le fais qui produit là? Ou est-ce que je le fais qui produit au niveau des ordinateurs? Si je le fais au niveau des ordinateurs, j'ai de la place, mais il faut que j'aille chercher ça et ça. Si je le fais à ce niveau-là, je suis à mi-distance entre les deux, mais il faudrait que j'aille chercher des boîtiers et des ordinateurs. Et si je le mets au niveau de ça, il faut que j'aille chercher les oscillateurs et les ordinateurs de l'autre côté. Donc je ne sais pas trop où je pourrais le mettre, quelle serait la meilleure idée. Vu que j'ai pas trop construit du côté des ordinateurs et que la prod est plus petite là-bas, ça me semblerait le plus logique, en vrai, de le produire là-bas. Hop. Oui, tout droit. Hop. Allez, ça tourne. Yep. Alors, par ici, et je remonte, et je repasse par là. Et voilà. Ok. En voilà déjà quelques-uns. Ah mince, c'est vide ici. On va en prendre là. Je vais en prendre genre quoi 600, ça me paraît bien. Ok, j'ai besoin de faire des stockages. On va passer ici après, hop, on va refaire la même chose, 600. Ça, on va être très bien. Ça, on va être très bien. Ok, let's go. Il est plus facile d'installer une gare au niveau des ordinateurs, à ce niveau-là. De l'autre côté. Je crois que je le ferais bien du côté des ordinateurs en fait. Je le ferais bien du côté des ordinateurs. Maintenant, il va falloir que je vérifie juste la prod d'ordi qu'on a par rapport à la conso pour savoir combien je vais pouvoir en faire. Parce que des ordinateurs, il va pas m'en falloir beaucoup non plus, mais il va m'en falloir. Et je crois que j'utilise déjà quasiment tous les ordis que je fais pour des comment ça s'appelle? Je cherche mes mots. Hein. Pour les... Ça va venir! Pour les super calculateurs! Salut Quijack! Salut Kate, t'es tout beau. Mais je suis toujours tout beau. Comment tu vas? T'as la forme, bro? Hop! Oh le regard! Regarde, je suis beau. Ouais, je bro, non pas là. Ah, d'accord. J'ai pas oublié que ce soir on fait du DBD, hein. T'as vu, j'ai mis dans le titre et tout. Va pas oublier. Ok. T'écoutes jamais tes messages MDR? Bah non, je les écoute pas. Je peux voir des MP, mais des MP Discord éventuellement, des MP Twitch, des SMS. Moi, le dernier message que j'ai eu de toi, c'est pas un appel. Hein. Ton tel, tu connais pas. Mais non, il capte pas chez moi, mec. Vous comprenez pas qu'il capte pas mon téléphone chez moi. Je peux pas récupérer les messages vocaux. Il veut pas. J'ai que les SMS qui arrivent. Celui du boulot aussi. Bah non, il sonne pas. Du coup, alors attends. Puisque je partais là-bas. Là. C'est peut-être un moment où il a sonné tout à l'heure. C'est possible. Parce que tout à l'heure, j'entendais sonner, mais je savais pas où était le téléphone. C'est possible que ce soit ça. Mon gros, ça a annulé, c'est ça? Tu me dis, hein, moi je reste toute la soirée sur Satis, hein, si c'est annulé. Hein. Mais lol, mais double lol. Putain, j'ai mal au pec. Alors vas-y, explique-moi vite fait par message, tu veux bien. Nous, c'est un ami qui a débarqué ce jour sur Paris et il sait pas où dormir. Du coup, bah il dort chez Pimousse, c'est ça? Oui, il est pas là, Pimousse, ok. Il y a juste Pimousse qui est pas là? C'est pas annulé du coup ou c'est annulé quand même du coup? Et vu qu'on était 4, on est passé à 3. Ah ouais, merde! Je connais pas des BD, donc reste sur Satis. Bon, bah voilà, le chat a parlé. Hein. Hein, comme tu dis. Merde. Eh, pendant un moment, j'ai cru que t'allais me demander de l'héberger. Kat, il y a un mec, il est à la rue, tu veux pas l'héberger? Le chat, un gars. Bah ouais, mais ça dépend, tout le monde ne parle pas tout le temps, tu vois, Hydrago. Après, il y en a beaucoup qui sont en train de chiller en même temps, ils bossent eux-mêmes sur Satis. Mais c'est vrai, c'est quoi DBD? DBD, c'est Dead by Daylight. C'est un jeu qui reproduit les codes du slasher, c'est-à-dire que tu as un tueur, 4 survivants, et le but c'est de tuer. Moi, avoir peur quand moi jouer. Oui. Du coup, alors attends. Que je recalcule ça correctement. Ici, je fais les ordinateurs. Donc là, j'en ai 3 x 4, 12. 12 x 2,5. Ça me fait 30. Pile poil. 30, ok. Et j'en consomme combien pour là-haut? Pour là-haut, 3,75 fois... 3 à chaque fois. Et 3,75 fois 12. Merde, j'en consomme plus que j'en produis. J'en consomme 45 et j'en produis 30. Quel est ce problème des enfers là? Ah non, non, non. Si, si, peut-être. Si, 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 si. C'est ça. Je produis trop de super ordinateurs. Il m'en manque 15. J'ai jamais rien pigé à ce jeu avec les moteurs. J'ai l'impression de faire que du bruit. Ça saoule. C'est pas facile. Hop. On en fera, c'est sûr, et désolé, pour une fois que les stats avaient mis à jour le jeu, j'arrête de parler et je libère le chat pour les connaisseurs. Non, non, mais il n'y a pas de souci, Quijack. Personne t'a dit d'arrêter de parler, il n'y a pas de souci. Mais ouais, ouais, c'est dommage, c'est dommage. Mais toi, du coup, tu vas y jouer quand même ce soir, tu vas faire quoi? Du Apex peut-être? Je te cause plus. Apex, c'est pas un vrai jeu. Répondeur, il faut qu'on parle du projet Zomboid. Oui, il faut qu'on parle de projet Zomboid. C'est clair. C'est clair, il faut que je m'y mette. Il me hype trop ce jeu, j'ai vraiment envie de tester ça. Salut Lasagnaman, bienvenue à toi. Ah le mec, elle prend ça, Krujack. Un jour, une date, un début de double stream avec joueur. Ok. Je te propose lundi prochain à partir de 17 h. Il y a peut-être du monde intéressé. Ouais, c'est possible. Faudrait que je marque un message sur mon Discord. Faudrait que je fasse une annonce sur le Discord et puis ouais, pourquoi pas. Mais je crois que c'est 4 maximum. Je sais pas s'il y a des connaisseurs dans le chat. Je crois que c'est 4 maximum pour jouer au jeu. Je crois. Après, il doit y avoir des cheats pour être à plus. Mais déjà, 4, c'est pas mal, hein, à mon avis. Donc, il faut que je télécharge et que j'achète le projet Zomboid. Ok. Et eh ben, on fera ça. Je ferai ça. Bon, allez, la sauvegarde, là, s'il te plaît, là. Hop, 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 j'ai envie de jouer, là. Ok. Ça va. Putain, elle est de plus en plus longue cette sauvegarde, mais si je la mets pas et que ça crache comme la dernière fois, après on repère trop de temps. Allez, Satisfactory tout le monde. Ça roule. Ok. Très bien. Donc du coup, il faut que je revérifie aussi par rapport du coup au plastique que je produis. Quelle quantité de plastique je produis, combien de lignes je peux faire, à mon avis. Parce que là, si je refais encore une ligne, je vais me retrouver pile poil à l'équilibre avec ce que je consomme. Ça m'embête quand même. Ça m'embête grandement. Ça m'embête grandement parce que là, tout est bien au petit pour ça, mais non en fait. Je pensais, mais non, pas du tout, en fait. Vu que je bouffe carrément plus d'ordinateurs que j'en produis... Ah, il va me falloir une autre lignée, hein. Il va me falloir une autre lignée, mais la question, c'est est-ce que j'ai assez de plastique pour ça? Parce que là, il me faut du plastique pour faire et les... comment ça s'appelle? Les cartes électroniques, là, les circuits imprimés, et pour les ordis. Donc là, je consomme quoi, là? Là, je consomme un MK4. On va vérifier par rapport aux sorties, voir ce qu'on consomme pour essayer d'évaluer. Là, je consomme un MK4 et j'ai un MK5 en entrée. Ok. Là, je consomme... un MK5 et un MK3. Et j'arrive à être plein. Ok, donc je pourrais en repiquer un petit peu sur celui-là, en dessous, pour alimenter un peu la troisième ligne. Là pareil, là aussi, hein, sur ces deux-là, je peux taper en dessous pour aller choper de la troisième ligne. Putain, ça va être dur. Hein. Si je me refais une ligne, à pas sortir de contexte, tout à fait. C'est pour finir en titre. Je me fais une ligne. Remarque, ça peut être pas mal. Là, 7,5. 7,5 et j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 7,5 x 13 x 4, ça me fait 390 circuits imprimés par minute. Combien j'en consomme? 25. Déjà, 25 x 10, ça fait 250. 250 et 50, ça fait 300. Ok. Et là, combien j'en consomme là? 375 par minute. « 345, j'en consomme sur les 390. » Donc j'ai un petit peu de marge. Mais il va m'en falloir quand même un petit peu. Ça va être chaud à équilibrer ça. Et là, ça va partir en vitesse MK4. Ça va partir à la vitesse d'un MK... Combien ça? MK4, donc ici, je devrais être en MK4 aussi. Ok, donc je peux faire une petite note ici. Alors, attends. J'ai deux sorties qui sont en MK3. Donc, j'ai 780 moins 270. Ça me fait 510 x 2, puisque j'en ai deux qui sont comme ça. Donc, 510 x 2, ça me fait 1020. 1020 plus 300. Ça me fait 1320 de plastique que je peux réussir à récupérer en optimisant à fond. En partant du principe qu'après j'aurai une prod à 780 qui soit constante. Ça va être juste. Ça me choque pas vu que tout le monde dit déjà de la coke alors que c'est du coke. D'accord. Salut Red Gary. Et salut Radamenti. Bienvenue à vous. Ok. Du coup il faut que je me fasse une autre ligne. LOL, titre. Alors par contre, quand je réfléchis là, il me restait 45 de circuits imprimés en RAB. D'accord, 45 en RAB. Et là, c'est 25, hein, je crois, par truc. Ok. Donc si j'en rajoute 6, 6 x 25, ça me fait 150. 150 moins 45, il me reste 105. Ok. Et si je fais 13 fois 7,5. « 97,5 pour 105. » Il va me manquer des circuits imprimés. Donc il va falloir que j'en fasse plus de 13 là. Plus 7,5. Ouais, il va falloir que j'en fasse 14 et je tombe sur un compte juste là. Ça devrait faire 7 et 7, comme ça. Ok, on va faire une ligne plus courte que les autres. Et on la fera à 7-7. Et normalement, ça devrait marcher. Attendez. Hop. Hop, ok. Tu fais quoi, en fait, les ordis, là? Alors, en fait, regarde, je t'explique. Je vais devoir refaire des ordis, là, et des circuits imprimés, parce que je veux faire des unités de contrôle radio. Tu vois, les unités de contrôle radio et du coup il me faut des ordinateurs, etc. Remarque, j'ai pas regardé combien il m'en fallait par minute, mais de toute manière j'ai regardé, en fait j'ai dû me planter un moment. Je produis 30 ordinateurs minute et j'en consomme 45 pour les super ordinateurs, donc il faut que j'en refasse au minimum 45. Et du coup bah, il va falloir que je refasse de la prod, etc. avec les surplus de plastique que j'utilisais pas encore complètement à fond. Il va falloir que je refasse ça, donc ça va encore complexifier le bordel ici. Ça va vraiment pas être simple. Et maintenant on parle d'en fait après la farine. Tout à fait. Ah, t'es toujours là Quijack, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc réfléchissons. Je vais déjà reposer une façonneuse histoire de voir exactement combien j'en bouffe par minute. Hop. Les unités de contrôle radio, je reprends que 1,5 par minute seulement. Et 1,5 oscillateur à cristal. Par contre ça, les oscillateurs à cristaux, j'en fais une chier. J'en fais, je crois que j'en fais une centaine par minute. Donc je pourrais pas tous les utiliser. Ok. Ok. Heureusement que la police n'est pas là. Hop. Ça dit n'importe quoi dans le chat. Donc là, j'en pose une et j'en rajoute 6. Et après, en face, j'en mets 6, 7 encore. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un 7. Jusque là, ok. Donc elle est plus courte que les autres cette ligne là, mais c'est pas grave. Elle va me faire pile parce qu'elle va faire. Public Browser Panou jusqu'à Ketrarde. Salut Ecrisco. Bienvenue à toi. J'empiète un petit peu. Là, j'empiète pas assez. Il n'est pas en face. Ok, là, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque des... Est-ce que j'en ai là-bas? Tiens. Des plaques renforcées, sinon il faut que j'aille en chercher, mais... Si j'en ai, je préfère. Je sais qu'il y a deux, trois stockages là-bas, là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, bingo, ils sont là. Youpi. Allez, hop, hop. On en prend 300 sur nous, on est bien. Ça, des plaques de fer. J'ai pas besoin de béton sur moi, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon, allez, on est reparti, là. Je vous laisse mon stream, Kate. Bonne soirée à la commu. Merci, des bisous, Krujack. Elle est pas mal ton emote là. Okay. Alors ça, pourquoi s'arrêter là? Plus de tôle de cuivre. À un moment, va bien falloir que je coupe le cuivre, c'est sûr. Et je pensais pas devoir le faire maintenant là. Ok. Ben ouais, bah faut que j'aille faire le cuivre avant de faire ça parce que de toute façon, sinon ça servira à rien et je vais pas pouvoir produire. À moins que c'est juste les stockages ici qui sont vides et qu'il faut attendre que le... Là, c'est en train d'en délivrer. Là, il n'y en a plus en stock. Là, il n'y en a plus en stock. Là non plus. Là, il en reste 600. Là, il en reste... Enfin, 800 et 800. Ah, il en reste plus des masses, là. Ça se consomme bien. Mais pourquoi ça arrive pas là? Bah si, ça arrive quand même. Et ça arrive quand même. Et là aussi, ça arrive bien aussi. Alors quel est le problème? C'est qu'il n'y a pas assez de trains peut-être. 500 et 491. Est-ce que je vois mon train de plaques? Où est-ce qu'il est là? Que les plaques il les prend là, c'est pas trop loin, il y a juste ça à faire en fait. Plastique, catharium, statique, poutre, pétrole 3.1, cuivre. Ok, bon bah il va falloir que je rajoute un train là. Alors, j'ai pas du tout ce qu'il me faut. J'ai pas du tout ce qu'il me faut pour ça. J'ai pas du tout ce qu'il me faut pour ça. Et là, j'ai plus de stock. Et là, il me reste combien des stocks à l'intérieur, là? 1 millier. Ouais, ça va partir vite. Ça va partir vite. Ok. Bah, faut que je retourne de l'autre côté. Rajouter un train, rajouter ce qu'il faut. Tiens, en même temps, au passage, je vais pouvoir déposer le stuff que j'ai récupéré sur le cadavre du mec et le mettre au hub. Comme ça, je me fais un peu plus de place. Ok. On va faire ça. Réfléchissez à votre, hein, si vous voyez une meilleure idée, vous me dites. Hein. Mais normalement, parce qu'avant d'aller produire ça, de toute façon, comme il me faut des cadres modulaires lourds, bah, ils sont là-bas, il faut que j'aille les chercher. Du coup, ça va me faire de la place aussi en mettant des affaires dans le hub là-bas. Là. Hop. Donc, ça j'en avais deux, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Ok, décathlon, j'en ai combien là? J'ai qu'un seul décathlon, ok. J'ai qu'un seul décathlon. Hein. Ok, tout le reste c'est bon. Tout le reste c'est bon. C'est vendu. Tout le reste c'est bon. Salut Axel, comment tu vas? T'as la forme? Bienvenue à toi. Hop. Ok, ben alors, si je dois rajouter du cuivre, est-ce que j'ai assez de minerais qui arrivent déjà? Est-ce que je suis saturé en minerais? Ou est-ce qu'il va falloir aussi que je galère à aller chercher les minerais pour pouvoir désaturer la ligne de cuivre? Ça va et toi? Moi, ouais. C'est quoi ce petit mouet là? Oh, on a la pêche! Wow. Oh, alors là, ça va pas être simple. Qu'est-ce qui t'arrive, Axel? Salut, Opsy. Bienvenue à toi, Opsy. J'espère que tu vas bien. Pour rajouter encore du cuivre. Ou au moins aller voir là-bas. Peut-être que ça pourrait être intéressant que je me rajoute un deuxième train là-bas. De toute manière. On va prendre un train. Alors c'est 2 locomotives, 7 wagons. 2 locaux et 7 wagons. J'ai reset mon PC parce que Minecraft chargeait à l'infini, le problème n'est pas réglé. Ah! Est-ce que tu crois pas que c'est ta sauvegarde qui a un problème? T'as essayé de lancer une nouvelle partie, voir? Je sais pas, hein, moi j'ai jamais joué à Minecraft, donc je peux pas te dire, mais... j'ai le seum intergalactique, ah bah j'imagine. Mais pour voir si c'est pas ta sauvegarde qui est corrompue, ou si c'est pas... T'as essayé de la laisser charger combien de temps ta sauvegarde? Non? Bah essaye, ça se trouve c'est ta sauvegarde qui est corrompue tout simplement. C'est Java qui fout de gros bordel. Ok d'accord. Moins de 35 minutes. Ouais. Ça me rappelle quand je jouais à Satisfactory sur le PC qui avait même pas de carte graphique. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'était vrai. Hein. J'avais le temps de... Quand je rentrais chez moi, je lançais la game tout de suite. J'avais le temps d'aller prendre une douche, d'aller fumer une clope, de faire la vaisselle, de manger. Et la game avait pas encore chargé, quoi. C'est incroyable. Du coup, alors avant de refaire une ligne de prod, on va aller vérifier là-bas, on va aller check, voir où c'en est. Parce que ici, ça a l'air d'être plein. Donc si c'est plein, c'est que ça n'utilise pas tout. Donc si ça n'utilise pas tout, c'est dommage de devoir ajouter des prods. Là ici c'est le soufre. Ok. Ici on a quoi? Ici on a justement les tôles. Les tôles qui viennent de l'étage du dessus et qui tournent pas à fond visiblement. De l'étage encore au-dessus. Hop. Ah si, les tôles, ça tourne à balle. Les tôles, ça tourne en continu. Et ça me bouffe. V'là les lingots, quoi. Donc normalement, ça devrait... Là, ici, pourquoi c'est en jaune? Quel est le problème? 200. Voilà. D'accord. Encore des trucs qui ont disparu, ça. Ok, bon, déjà, je viens d'en rajouter un peu plus. Ok, mais ce sera pas suffisant. Clairement pas. Même si ça en rajoute, ce sera clairement pas suffisant. Du coup, réfléchissons. Comment c'est foutu ici? Ah ouais, tiens, j'avais fait ça à l'époque où je connaissais pas la technique de remonter, descendre, etc. Ok, d'accord. Ok, on supprime ça. On va redescendre. J'ai joué à 25 FPS. Ok. Donc ce qui arrive là charge le troisième. En fait, il n'y a que les trois premiers qui chargent. Il n'y a que les trois premiers qui chargent. Et là, ça a l'air de charger plus vite quand même. Attends. On a combien? 200, 300, 300, 400, 500, 600. Là, il y en a un peu plus. Ok. Donc, il va me falloir une autre ligne de prod supplémentaire au minimum là pour déjà que je rajoute des... Il va falloir que je rajoute encore des tôles. Marc, ça m'étonne pas, mais... Ça fait chier. Ça fait chier. Je suis pas obligé de faire les étages intermédiaires, ça se trouve s'il est déjà assez de minerais. Faut que je check, tiens, en bas, voir comment ça se passe. En tout cas, ça recycle bien là-bas, ce que je vois, c'est cool. J'avais fait tout ça de fonderie là déjà. Ok, bon en vrai ça va aller parce que va juste falloir que je mette les que je mette le sol et puis que je remonte. Que je suive bien le même angle que j'ai fait pour l'autre côté là, et puis ça tout en haut là-bas. Ok. On va rajouter au moins une prod dessus. Je vais rajouter une prod, il me faut au moins 6-7 de large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va en rajouter un encore. Les devs de Satis ont fait un truc qui a fait que le jeu réduit auto les FPS quand une save dépasse une certaine taille. C'est pour ça que c'est là que je pense. Tu crois? J'ai jamais entendu parler de ça. Un truc qui baisse auto les FPS? Chelou. Essaye d'aller sur une map vierge. Sur une map vierge, ça va beaucoup mieux, mais je pense que c'est parce que le jeu n'arrive pas à calculer. C'est le moteur graphique, là. Je vois pas l'intérêt qu'ils auraient à limiter le FPS quand ta CF elle dépasse un certain nombre. T'as peut-être raison, hein, mais... Je vois pas pourquoi ils feraient ça, quoi. Puis j'en ai jamais entendu parler de ce truc-là non plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Un dernier ici. Ok. Ok. Ok, très bien. Tu l'as déjà changé ton moteur graphique, je suppose, avec ta grande intelligence. Mais non, mais c'est le moteur graphique du jeu, c'est pas... moi, je peux rien faire dessus, c'est les devs. Le moteur graphique du jeu, c'est l'Unreal 4. Je peux pas le changer. De toute façon, on est d'accord que moi, je peux rien faire à mon niveau. Hein. Ça dépend des développeurs. Mais j'ai vu qu'ils parlaient d'amélioration encore de performance. Donc, on peut espérer avoir un gros up. Hein, parce que quand ils avaient passé... quand on est passé de l'update 4 à l'update 5, franchement, il y a eu un vrai up. Hein. Il y a eu un vrai up de fait. Hein. Après, qu'est-ce que ça va changer Est-ce que je vais gagner 20 FPS ou est-ce que je vais en gagner 2? Il y a un autre truc qui montre aussi que ça vient du jeu. Bon, bah, il y a plusieurs choses. Déjà, bah, moi, mon utilisation de PC, je dépasse pas les 60%, même en stream, là. Et quelle que soit la qualité graphique que je mets, j'ai les mêmes FPS. Que je sois en ultra, moyen, bidule, toujours à 11-12 FPS. Ça monte pas plus. Alors que si c'était mon PC qui avait du mal à gérer, bah, je devrais gagner des FPS en baissant la qualité, mais là, non, je change rien. Du coup... trop temps. Ok, let's go. L'extérieur. À l'intérieur, je mettrai les legs pour ça. Ok. Oh, remarque si je peux le mettre là aussi. Ça roule. Là, je suis en quoi là? En MK4. D'ailleurs, pourquoi je suis en MK4 alors que j'arrive ici en MK5? Ah, parce que déjà, je peux doubler les... Je peux déjà doubler ici. Bah ça, déjà, je vais le faire tout de suite. Ça va grandement m'augmenter ma prod. J'ai presque rien à faire ici. Allez, hop. Zou. Il va falloir des plaques. Il va falloir des plaques. On va aller en chercher là-bas. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Là-dedans, non. Est-ce qu'il y en a par là? Il y en a plein qui passent, là. Il y en a plein qui passent, mais zéro qui stocke. Ok, eh ben, on va les prendre directement dans les machines. Hop. Vu qu'on remplit par overflow, l'avantage aussi, c'est que je sais que j'ai des stocks quasiment complets sur les premières lignes. Est-ce qu'il me reste des tirs? J'ai vu qu'il m'en restait 200, là. 320? Ouais, c'est bon. Allez, let's go. Twitch. Ah, je passe pas là. On va essayer par le côté alors. Et... Il n'y a pas un endroit où il manque un, histoire de pouvoir monter? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, démerde-toi, passe par ici. face. Là ici. Là ici. Ok, très bien. Ici, hop. Salut Ben, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Installe-toi bien. Ok, là ici on est bon. Ok, parfait. Il faut que je me rajoute du sol là encore, sinon je vais tomber comme un cake. Ok. Du coup, on va mettre tout de suite les groupeurs. Comme ça, après, je pourrai refermer en bas ici. Toi, tu vas te caler ici. Et... Tac. Tac. Voilà. Ok, ça c'est fait. De l'autre côté, même punition. J'ai cliqué trop proche. Oh non, c'est bon. C'était bon. Ça bouchonne ou pas là? C'est 10 à chaque fois. 10. Ah oui. Ouais, donc effectivement, ça produit pas super violent. Ok, donc... En gros, ça me fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et hop, sorti comme ça. Voilà, ok, et après, une fois qu'on passe là, on arrive en MK5. Après, c'est le stockage. Ah, d'accord, ok, ok, c'est bon, je sais. Je sais quel est le trip. Hein. Ok, il faut que je me mette ça ici, là. Alors, vous allez voir, on va tricher un peu avec le mur. Parce que sinon, si je le passais comme ça... Ah si, ça marche. Ça marche. J'ai rien dit. Ok. Droite, surplus, milieu, tout, gauche, aucun. J'ai pas mis en bas. J'ai pas mis en bas. Ok. C'est bon. 5. Hop, on arrive ici. Là, on supprime le support, ici, et on met un mur à la place, pour cacher la connexion. Voilà. Ok, comme ça, on a l'impression qu'on est pile poil dedans. Très bien. Ici. On va faire ça. Je vais les prendre. Les deux derniers vont souvent être pleins, même s'ils tournent à fond. Pas 74, attends, 10. Là, il en sort 20. Il en sort 30. Il en sort 40. Il en sort 50. Il en sort 60. Le MK, il en sort 70. Et ben là, on est bien MK2. Donc il n'y a pas de raison que ça stack dedans, là, normalement. Et que ce soit pas à 100% de... On va voir si ça règle les problèmes, hein. Normalement ça devrait aller mieux. Je vais mettre dans les stockages. Tac. Je reprends un petit peu sur moi quand même, on sait jamais. Si j'en ai besoin. Ok. Allez, Elec. Elec. Là, après tu viens là, et celui du milieu avec le trou, il se positionne. Ok. Connexion du côté gauche ou côté droit? On est du côté gauche. Ok, côté gauche, donc ici. Donc ça. On va là-bas. Ok. Là ici, en cuivre, tôle de cuivre, des tôles de cuivre encore, en veux-tu, en voilà, pas le bon, des tôles de cuivre, Okay. Ici aussi. Ok, c'est bon, on a tout connecté. Alors. Ouais. Ah mince, c'est pas du tout le bon. C'est pas du tout le bon. Ok. Hop. Très bien. Et ben voilà. J'ai mis mes sorties de l'autre côté. Oui, j'ai tout mis là déjà. Ok. J'ai plus qu'à mettre mes convoyeurs MK1. Jusqu'à MK5. Là, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90 et 100. Hop, ça c'est bon, c'est mis. Faut encore que je mette les convoyeurs au centre. Je les ai pas mis. Et j'ai pas mis la sortie là aussi. Ok, du coup. Ça prend 20 par minute. Donc 20. Je me retrouve avec 40. 80. 120. 120. 160. 160. 200. 240. 280. Et après, c'est que du MK4. Ok. Bon. Je vais connecter ici. J'ai fait comme ça. On va déjà connecter les sorties. Pas que ça stack de trop. Hop. Ok. Parce que je voulais faire hop. Allez, vas-y, maintenant ça tourne et ça va me produire davantage. Les premières qui vont descendre là, est-ce que ça stocke dedans là? C'est bon, ça stocke plus du tout dedans. Donc ouais, c'était bien juste le problème de, il fallait que ça se décale un petit peu pour que ça puisse tourner, etc, 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 quoi. Pas plus de problème que ça. Ça va donner quoi au niveau des... Ah d'accord, c'est parce que ça avait dû se bloquer pendant le chargement du train et du coup ça continue d'en envoyer comme ça. Ok, très bien. Bon bah voilà, on en envoie de plus en plus là. Ok, faut que je rajoute l'autre prod à côté. C'est un travail de titan encore. Hop, on va se poser en dessous, on va faire les decks. Tac. Salut Blackboard et Foxy. Quoi? Xéré Conjon. Oh, j'arriverai jamais à dire ton pseudo, mec. Je suis dyslexique, moi, c'est chaud pour moi, là, ce que tu m'as marqué comme pseudo. Hein. Xéré Cognition Live. Xéré. Qu'est-ce que tu veux dire? Aucune idée. Mais en tous les cas, bienvenue à toi. Hop. Ok. Ça, je vais passer de ce côté-là pour pouvoir les raccorder. C'est bien du MK4 là, ok. Hop. bien. Et là on est bon. Ok, connecte-toi. Là, on les a quasiment déjà fait. Il faut encore brancher ça, monter le courant. En vrai, ça va aller. Hein, mais, j'ai déjà fait la partie stockage là, déjà devant. Non, même pas encore. Ouais, donc ça sert à rien de le relier en... et de l'alimenter tout de suite parce que de toute façon, je peux pas traiter ce que je produis. Ce qui est dommage. Ok. Hop. Ok. Du coup. Oui. Je vais mettre mes trucs là. Alors, les prises murales qui se branchent des deux côtés. Tac. Le courant élec qui part là. Ok, toi tu viens te brancher là-bas. Ok. Ouf. Salut Bellone, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ok, donc là on a déjà préparé ça. Donc il faut que je me connecte là. Ce sera plus simple de voler. Ok. Ok, très bien. On va poser les stockages. Et une fois qu'on a posé les stockages, déjà, on y verra un peu plus clair. Je vais pouvoir manger. Donc n'hésitez pas à prendre de la place hein, quand vous construisez. Hein. La map est grande. Ne vous bloquez pas tout seul avec des petits bâtiments. Hein. Et de la place, prenez de l'espace, soyez aéré. Ah, ouais. C'est jamais... Il y aura toujours des trucs à rajouter, surtout quand c'est vos premières sauvegardes. Donc quand je mets le truc, après je pars sur la gauche. Ok, donc là par rapport au milieu ici. Voilà. 2. Salut Chapi Chapeau, comment tu vas? 3. Est-ce que t'as passé une bonne journée, bro? Hop. Ok, let's go. Très bien. Impeccable, toi. Enfin, et vous? Écoute, pour ma part, très bien. Je sais qu'il y en a d'autres dans le chat, peut-être moins. Mais je pense que la majorité va. T'as fait de beau, t'as travaillé aujourd'hui? C'était repos. J'ai pas fait le retour là. Si, il était posé. Il était posé là, mais il n'était pas finalisé. Et hop, hop. Ok, très bien. C'est-à-dire que j'avais même pas fait le recyclage pour la partie haute. C'est bizarre ça. J'ai oublié ça. Ah, j'ai plus de MK5, ok, on va aller en chercher. Qu'est-ce qu'il me manquerait d'autre, tiens? Que je fasse pas un aller-retour pour rien. J'ai des plaques, j'ai du MK2, j'ai du MK3, j'ai du MK4, j'ai pas de MK5. Ok, let's go MK5. Salut Deadspire, comment tu vas? Sur 4 heures, je peux pas acheter le A2. Pourquoi tu peux pas acheter le A2? Ça va, merci. Et toi? Pourquoi tu peux pas acheter le A2, Dead? Y a pas d'écran pour bail. C'est con, hein. À Horizon. Et tu peux l'acheter que là-bas? Et ce biker à Horizon. Et ben voilà. T'as vu, ça c'est... T'as gagné de l'argent malhonnêtement là. Et... Du coup, le jeu se venge. Dimanche après-midi, je retournerai sur, Star Citizen d'ailleurs. Environ à partir de, 15 h. Ok, je sais pas encore ce que je fais. C'est tout. Moi, comme ça, tu sais. Si tu veux passer, il n'y a pas de souci. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est déjà pas mal. Allez, juste à retourner là-bas. Ah, je me suis posé sur le tuyau. Ok, bon, en tout cas, tout ça, ça tourne là déjà, c'est bien. Plutôt une bonne nouvelle. Faudrait que je me rajoute des prods de vis aussi, je vais en avoir besoin de plus là pour mes ordinateurs. Waouh, les ordinateurs à rajouter, ça va me demander tellement de choses. Oui. Ou alors sinon, je peux régler le problème en baissant le nombre de super ordinateurs. Et ça m'embête. Ça m'embête. Et même si j'en enlevais, un sur chacune des lignes, ça me baisserait du coup de 1/3. Vu que j'en consomme 45 et que j'en produis 30, je retrouverai à l'équilibre. Et de toute manière, il va me falloir me rajouter des ordinateurs. Je sais pas pourquoi j'en produis que si peu. Bizarre quand même. Je devrais pas en produire aussi peu. On a un problème quelque part. J'ai dû rater un calcul. C'est pas possible. Salut à toi, Examor, Phéus. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Hop. Tiens, on va passer là-bas. Donc là c'est bon, j'en étais où? J'en étais au stockage, hein, je le crois. Ouais, c'était ici, j'en étais là. Yeah. Ok, très bien. Oh, merci KGR. Caméra, pour ton raid, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est bizarre, ça fait un bruit bizarre, ça fait un petit... Histoire. Pourquoi ça m'a fait ce bruit-là? Merci à toi en tous les cas, merci infiniment. Je vais te faire un petit SO d'ailleurs. Attends, bouge pas. Exclamation SO arrobase. Voilà, impeccable. Merci beaucoup. Salut Nightkiller, bah ça va très bien et toi-même? Juste 2 secondes que ça reprenne le jeu. Ah, impeccable. Et toi-même, comment te portes-tu? Ne réponds pas avec tes jambes. Je suis spécial. Oh, oh, merci pour ton Prime Night. Merci infiniment. Grand merci à toi. Vraiment merci beaucoup, merci infiniment. C'est super stylé. Merci. Que je regarde à côté, là. Je suis branché ici. tac et tac. Ok, donc le surplus ici qui repartira là-bas. Ok. Toi tu es là, tu repars ici comme ça. Toi là. Waouh. T'as vivement les performances améliorées. Il y en a marre. Je suis fatigué après un mois de taf intensif. Ah oui, tu m'étonnes. C'est sur quoi aujourd'hui? Alors, j'ai bossé sur la production de fil actif. J'ai raccordé le vide-poche qui était au niveau du fil actif au vide-poche général. Donc maintenant, ça c'est relié aussi, c'est géré. Là, je voulais attaquer... Alors, là, c'est une grosse galère. Je voulais attaquer les contrôleurs radio. Sauf que je me suis aperçu que pour ça, il fallait des ordinateurs et que j'utilise plus d'ordinateurs que je n'en produis pour les super ordinateurs. Du coup, il faut que je rajoute des ordinateurs. Mais je me suis rendu compte que j'avais déjà pas assez de tôle de cuivre qui arrivait pour pouvoir gérer les circuits électroniques. Donc, je rajoute des circuits électroniques. Et donc, il faut que je rajoute des tôles. Voilà. Salut Tama, comment tu vas? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Non, le monde n'est pas à l'envers, c'est toi qui est peut-être à l'envers. Ah, on laisse passer la sauvegarde auto. Laissons passer la petite sauvegarde auto. Tiens, pendant que la sauvegarde se fait, j'arrive tout de suite, je vais me faire chauffer un thé. Oh les cuisses, ah, le sport ça fait mal. Faites pas de sport. Ça va bien, je te remercie, ça va bien. Putain, j'ai une sacrée mèche, là. Hop. Ouah. Bon, il faut vraiment qu'il fasse un truc pour ces sauvegardes qui mettent 10 ans à se faire, hein. C'est incroyable. C'est tellement incroyable. 10 plombes à se faire. Et donc, pour faire les ordinateurs, j'aurais bien utilisé les recettes alternatives, mais j'ai la contrainte de ne pas utiliser de recettes alternatives. Donc, c'est relou. C'est super relou, parce que là, je suis embêté, là. T'as bientôt fini ton bâtiment, enfin? C'était un bâtiment, tu faisais quoi, déjà? J'ai oublié. T'as une mat de combien de... C'est pas en giga, c'est en méga, les sèves. Fait plus de 20. Elle fait plus de 20. Tu peux la télécharger si tu fais un point d'exclamation sève dans le chat. Prod de base. Ok. Ah oui, mais c'est avec toi que j'avais vu Tama pour les deux bâtiments au-dessus de l'arche, etc. Tout ça, on avait passé du temps sur Satisfactory Calculator, c'était bien avec toi? Yep, ok. Salut Twitch et Play. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Ouais, on avait fait ça. Ok, bah c'est bien. Bon, déjà, t'as pu avancer un petit peu, c'est cool. Ok, je récupère mon thé et j'arrive tout de suite, les amis. Hop, tiens, ça c'est quoi ça? Ah, hop, à tout de suite. Abusé les sauvegardes là parce que j'avais mis le temps pour chauffer ma tasse à 2 minutes. J'ai eu le temps de faire chauffer la tasse, revenir et ça mis... Donc les sauvegardes auto mettent plus de 2 minutes à se faire maintenant. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller dans les options et au niveau de la jouabilité. Putain, je l'ai mis toutes les heures déjà là. J'ai déjà mis toutes les heures et ça met du temps de ouf. Je mets quoi? Je mets toutes les 4... Moi, toutes les heures c'est bien, c'est bien, toutes les heures. Tant pis. Salut Adon Life, comment tu vas? Je pourrais pas l'utiliser, je me rappelle que j'ai une version craquée, donc jamais la dernière version. Ok. Non mais même si tu peux pas utiliser la sauvegarde, en faisant le point d'exclamation dans le chat, t'as le lien, quand tu cliques dessus, il te dit la taille de la sauvegarde. Mais je pense que tu peux l'utiliser quand même. T'auras peut-être pas accès à tout, mais je pense que tu devrais pouvoir essayer. Je vais devoir faire un bâtiment secondaire, hein. Faute de place. Ah bah oui, non mais c'est toujours comme ça dans Satis. Ok. C'est si t'avais pas ce genre de problème que ce serait pas normal. c'est que t'aurais merdé quelque part. Hop. Et toi tu rentres là, là c'est bon. Qui de qui? Allez, connexion, bah là c'est fait de ce côté-là. Ok. Alors du haut vers le bas, hein, toujours. Si on essaie de me faire du bas vers le haut, vous voyez que ça rentre à l'intérieur, ça glitch. Donc du haut vers le bas. Et comme ça, on est bien bord à bord. Il est 25 € le jeu, je comprends. Je suis pas là pour juger les gens, ils font ce qu'ils veulent. J'encourage pas le crack, surtout pour Satis. Tu vois le temps que tu passes par rapport au prix du jeu, mais après, tu sais, tu peux avoir des personnes qui ont vraiment pas de thunes. Je sais pas, je donne un truc au hasard, genre au RSA. Quand tu es au RSA, que tu dois donner à bouffer à tes gosses, que tu dois bouffer, que tu dois vivre ou survivre, tout moi, je peux comprendre que 25 balles, quand les fois où tu veux te poser, eh ben, tu les as pas. Je peux comprendre. Il y a une période où ça a été très compliqué pour moi. Moi, j'ai été SDF pendant quelques mois. J'ai vraiment vécu dans la rue, sur les cartons. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, 1 €, c'était 1 €. Donc je peux comprendre. Mais néanmoins, j'encourage pas, bien sûr. 40. Donc là, on a 80. 120. 160. 200. 240. Et après, MK4, tout bon. MK4, MK4, MK4. J'avais pas prévu les façonneuses pour mettre... il faut que je remonte tout le toit de 1, c'est mort, on repart sur une extension, pas le choix. Ok. Après, c'est juste la flemme de l'acheter et j'y joue plus vraiment, donc en vrai... Et t'as bien rebondi de STF à un PC de 7K. Ouais, ça a été dur, hein. Ça a été dur, hein. Dire, fallu se battre, hein. Et heureusement que j'avais de l'aide, mais... Mais oui, oui. D'ailleurs, bah, notamment Krujack. C'est lui qui m'a recueilli chez lui. Pendant quasiment 8 mois, hein, j'ai habité chez lui. Hein. Quasiment 8 mois. Parce qu'à un moment, il m'a dit Kate, t'es mignon, mais j'ai un mec, je dois héberger quelqu'un d'autre. Alors, faudrait que tu partes. Ouais, c'est bon. T'inquiète. Non, non, mais il a été plus qu'adorable. Ok. Je préfère avoir une mâche fixe aussi. Ok, je comprends. Après, je te dis, hein, moi je ne juge pas, tu fais ce que tu veux. La sortie officielle, il n'y aura plus de chute de FPS, comme ça, j'espère. Bah là, déjà, l'update 6, là, qui est dans 15 jours, hein, les amis, à peu près, hein, dans 15 jours, ils ont promis des améliorations de performance. Donc, on va voir ce que ça va donner. Enfin, on fera le test, hein. On verra bien ce que ça donne. Je lancerai la sauvegarde avec vous en live pour voir ce que ça donne. Je testerai pas avant. On verra si ça change le temps de chargement aussi. On regardera tout ça. Hop. Salut Farmer, comment tu vas? Ah oui, moi il est plus que boosté mon PC. Mais là, là il tourne à 40% à peu près le PC là. Pas plus. 40-60%. Je crois 60% max. Attendez, je vais regarder, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais te dire ça tout de suite. Gestionnaire des tâches, performance. Ouais, j'ai le processeur en 58%, donc on va dire 60%. La mémoire à 43%. Et la RTX à 40%. Donc, non, non, clairement, c'est pas moi. Hein. Mais bon, ça commence à être relou de dire c'est pas ma faute. J'aimerais bien que ça change. C'est pour ça que je vais pas beaucoup sur Satis aussi en ce moment. Parce que j'ai pas envie d'être saoulé en fait. Parce que je sais que ça vous saoule et tout, mais même souvent vous me le dites, ouais, ça lag, ouais, ça met du temps, ouais, machin truc. Ouais, mais la sauvegarde, elle est tellement énorme aussi que... Forcément, le jeu, il est pas fait pour ça, quoi. Si, jeune princesse, ben ça va très bien, Farmer Briard. Et bienvenue à toi aussi, Mr. Binch. Non, j'ai pas de double PC, là. J'ai pas de double PC, j'ai qu'une seule config. Tu vois, pour te dire, je peux jouer à Star Citizen en ultra. Je tourne à 90 FPS. Star Citizen, Satisfactory, je suis à 13 FPS. C'est marqué en bas à droite de l'écran, quoi. Ah, je sais pas. C'est quoi comme carte graphique que tu as? Enfin, un point d'exclamation PC ou point d'exclamation config Tama ou tu regardes dans la bio sinon. Mais tout est noté là-bas. Hop. Ok, donc si je veux pouvoir alimenter là-bas, il va falloir que je remonte d'ici. Alors ici, je tombe en face du dernier là-bas. Donc normalement, tu devrais être là-bas. En gros, c'est un PC de fou, là. Ah oui, tourment. Ah ouais, ouais. La config max, il n'y a pas plus gros. Bah ouais, bah... Et pourtant, on galère sur Satis, quoi. Et pourtant, on galère sur Satisfactory. Alors, attends, vas-y. Là, on se met là, comme ça, on est bien. Ok, parfait. Allez, on va le tourner dans le sens là. Donc ouais, ça me trigger un peu quand on dit « Ah, désolé, t'as pas assez de FPS, ah, j'ai envie de pleurer, de m'arracher les couilles et de les taper sur le bureau, mais je peux pas faire ça. » Ah pardon, il y a jeune princesse. Je suis chafouin. Un PC... non, j'en ai eu pour 6800 balles. Dans 5 ans, il ne vaudra plus rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand t'achètes une voiture, tu sais que quand tu mets la clé dedans avec l'Argus, tu perds de la valeur. Là, je me suis pas acheté un PC de fou en me disant ouais bon bah j'espère qu'il va se revendre cher. Non, je le garde jusqu'à la mort celui-là et je changerai des trucs de temps en temps. Mais avant qu'il soit dépassé, il y a le temps. Du coup, alors attends, on va mettre les connexions au centre, c'est fait. Là sur les côtés, par contre, ça c'est pas fait. Alors. À partir de là, donc là il va m'en sortir 10 par minute. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 70, 80, 90 et les 100. Ok. Hop, de là à là-bas. Ok. Que pour le PC? Ouais. Non, 6800 par 5800. 6800. Ouais. Ah bah ouais, j'ai tout acheté et c'était juste avant le Covid. 10, 20, 30, 40, 5, 60. Attends. J'ai acheté les écrans aussi. Hein. Le clavier, la souris, j'ai tout acheté. Hein. Attends. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90 et 100 là-bas. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas que tu sois à 6-7K aussi avec ton PC. Hein. Ça vaut cher. Hein. Là, la RTX, déjà, je l'avais payé 2200 balles. Et déjà, c'était pas cher à l'époque. Salut à toi, j'hallucine. Ouais, elle a presque doublé le prix. Ah, moi, je l'avais acheté juste avant le confinement. Juste avant. Vraiment de la chatte parce que je l'ai acheté, en... je l'ai monté le 13 mars, je crois. Et je crois que le confinement avait commencé le 17 mars. Donc j'ai eu le PC genre 4 jours avant le confinement. Le meilleur timing du monde. T'as un PC flambant neuf qui est une tuerie et pas un confinement de mois. Alors là c'était... Ok, du coup donc là faut que je remonte mes, lingots. Parce qu'on parle, on s'amuse, mais il faut bosser aussi. On a dit qu'on tapait dedans aujourd'hui. Du coup, on va descendre safe, on va passer par là. Choups. Donc, alors, comment j'ai descendu les autres? Les autres après... Et après, ça vient là, comme ça, ici, au milieu, là. Ok, on décale du milieu, là, au milieu, ici, moins une barre. Ok, très bien. Milieu là, au milieu, ici, moins une barre. Alors, le seul problème, c'est que j'ai ça qui passe devant, là. Attends, on va... Alors, ça, je vais brûler tout ce qui me reste dans le réacteur dorsal. Voilà, comme ça, il va se recharger tout seul. Du coup, ça, il faut que je le décale. À moins que ce soit pas la même. Non, c'est pas la même, c'est bon. Ça passe là. Tomber comme ça et ça redescendait. Attends, milieu. Il fait combien celui-là de haut là? 12 et l'autre 8. Ok. Allez, 12 dans ce sens-là. J'ai un document et la galère. Oui. Galère à vendre les 3090 Ti. C'est quoi la différence entre le avec 390 et la 390 Ti? En termes de performance, tu vois vraiment une grosse def? Je suis pas bien sûr. Hein. Salut Fufu, bienvenue à toi. Je suis pas sûr du tout que ça fasse une grosse def. Du coup, j'arrive pile poil en face. Bon, attends, le truc est là. Ok, donc on traverse directement. Ok, allez, on va se mettre là, en face. Ah oui, c'est logique, comme ça j'arrive du bas vers le haut. Alors, petite astuce, tiens, si vous savez pas dans le chat, je vais vous le dire. Quand vous avez, quand vous montez, par exemple, un support comme ça, là, et que vous voulez monter un convoyeur vertical, vous avez une limite de 40, qui est 48. On peut pas aller à plus de 48. Et bien, si jamais vous mettez un trou comme ça pour convoyeur mural, avec, et que vous mettez donc juste en dessous le départ, vous pouvez remonter de la hauteur que vous voulez. Il n'y a pas de limite de hauteur après. Je pourrais mettre un trou, un truc qui serait carrément plus bas. Allez, je vais vous le montrer même. Voilà. Si je le pose ici par exemple, je le pose ici comme ça là et j'essaie juste de le monter en hauteur. Voilà la hauteur maximum que je pourrais le monter, je pourrais pas le monter plus haut. Mais si au lieu de viser ici, vous visez le point là-haut, hop, là on peut faire. Et là, vous avez un morceau qui part du bas jusqu'en haut et qui fait 78. Voilà, c'était juste pour vous montrer que c'était possible. Donc ça peut être pratique dans certaines situations. Mais j'ai l'impression de glitcher, moi, quand je fais ça. Turbo-injection, sans doute, oui, c'est ça. Elle est moins puissante sur les tests. Moi ça me va, moi je reste avec celle que j'ai, moi elle me va très très bien. Ah oui, et là j'étais redescendu comme ça. 1, 2, ok. Ah quand même. Ce que tu as dit sur ton PC, les PC étaient poétiques. D'accord. Eh ben écoute, ravi. Mais tu sais que même si tu me refais des compliments d'Edspire, je te renvoie plus d'argent là, c'est fini. Hein. Allez, salut Fury43, bienvenue à toi. Vérifier que tout colle là-haut, là, qu'il n'y ait pas de soucis. Waouh. Ça continue de monter, ça passe là-bas, et là ça va se lancer dans quelques instants normalement. T'as déjà essayé ta save sur un serveur, voir si ça charge, ça change. Alors déjà, pardon, ça change tout, parce qu'il n'y a aucun serveur qui arrive à lancer ma sauvegarde. Je pense pareil sur les PC. Bah oui, oui, carrément. Oui, c'est... Moi jamais je me suis dit, ouais, j'achète un PC parce que... Mais après, fait chier, dans 5 ans, il est mort. Ouais, bah peut-être... Et alors? Même s'il est mort dans 5 ans, le temps que tout le monde arrive à mon niveau, j'ai au moins 15 ans devant moi, quoi. Pour les PC, je parle, hein. Puis j'aurais pas tout le temps de la chance d'avoir des grosses rentrées d'argent pas forcément prévues. Je vais pas mettre tous mes employeurs au prud'homme quand même, quoi. Hop. Ah ok, problème réglé. Mérica sauvage. Je mangeais, bonne soirée, bon live, gros bisous. Merci Tama, des bisous. Hop. Ok, là on est bien aligné. Parfait. Donc, on va prolonger jusque là. Plaque de fer encore, mais j'ai l'impression de passer mon temps à aller chercher du stuff, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable comme c'est. Ah non, le projet d'utiliser tous les gisements de minerais, il n'est pas du tout annulé. Non, 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 pas du tout. Ah non, non, je continue. Je continue. Tant que la sauvegarde est tient et que j'arrive à lancer le jeu et que je suis pas à moins de 6 FPS, je continue. On verra ce que va pouvoir tenir le jeu. Prochain challenge perso, arriver à une save qui fait 30 mégas, ce serait bien. Non, elle fait déjà plus de 20 mégas, c'est déjà bien. Après, faudra voir, quoi. Faudra voir ce que ça, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, est-ce qu'ils ont amélioré, qu'est-ce qu'ils vont améliorer. Déjà, j'ai hâte de voir ça. Parce que dans 15 jours, comme il y a la nouvelle mage, on verra, quoi. Tu vas finir en FPS négatif, ouais. Tu sais qu'à un moment, avant qu'on me prête un PC... Quand mon ancien PC, en fait, j'ai racheté celui-là parce que mon ancien PC avait cramé, il avait pris feu. Il avait vraiment pris feu parce qu'il était pourri, il surchauffait et j'en étais venu à enlever la carlingue pour mettre un gros ventilateur dessus. Et comme ça suffisait pas, il fallait que je rajoute des glaçons aussi parce qu'il surchauffait trop, le processeur, etc. Bref, un jour, il y a de la fumée qui est sortie et pam, des flammes. Et là, le PC l'a cramé. Salut, très belle Lucine. Je suis au même palier que toi. La mienne ressemble à une usine à gaz. Bah, c'est gentil. Merci, j'hallucine. En même temps, ouais, j'ai plus de 5000 heures de Satisfactory. Donc, sur cette sauvegarde-là, ouais, effectivement, j'ai fait pas mal de trucs, mais j'ai fait gros. Comme tu vois, par exemple, ici, tout ce bâtiment-là, là, c'est juste pour les plaques, les vis, les tiges. C'est juste ça. Donc, ça fait des énormes productions. Ah ouais, la dingue. Et du coup, bah, pendant un an, comme je disais, donc pendant un an, je suis resté avec un PC qui avait même pas de carte graphique, pour vous dire. La carte graphique, elle était intégrée en fait à la carte mère. Et c'était un PC Lenovo, les vieux PC pourris pour ceux qui connaissent. Et je peux vous dire que pour faire le tour d'un bâtiment à pied, je devais mettre 15-20 minutes. Je tournais entre 1 et 2 FPS. Là, 10 FPS, c'est royal, là. Non, mais c'est vrai, ça a été relou, quoi. Un PC barbecue, ouais. PC barbecue. Ah, c'était la misère, hein. Donc, quand j'ai eu celui-là, j'étais content. Mais là, j'ai bientôt la fibre aussi, ça va me changer la vie. D'avoir la fibre. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je vais arrêter de mettre 7 à 8 heures pour charger un épisode sur YouTube et de devoir le faire uniquement hors stream. De faire gaffe à me dire que si jamais je limite pas un peu les la connexion, la bande passante pour Discord, ça risque de faire crasher le stream. Vivement. Hein. On dirait pas que t'es pas la fibre, c'est chelou. Bah parce que j'ai bien réglé, j'ai mis les bons réglages. J'ai un bon upload, à 12 mégas, mais 12 mégas c'est peanuts, hein. Et, mais ça me permet, là je l'ai limité à 6, donc il tourne entre 6000 et 5007 là, entre 6002 et 5007, et du coup ça vous permet d'avoir un stream qui soit quand même visuellement assez fluide, de qualité, sans parler des problèmes de Satis. Ok. Ok. Pareil, on va mettre les convoyeurs. Enfin, 30, 40. Pardon. 50, 60. Hop. Ça c'est bon. Hop. La sortie ici. Ok. Là, on est bon. Ah, je vais faire les lecs tout de suite pour pas avoir d'embrouille. Parce qu'après, sinon, c'est chiant à faire une fois que tout est mis. Mais non! Bon, on recommence. Allez. Hop. Tac. Hop, c'est bon. Bon, avec tout ce que j'ai rajouté là en termes de taux de cuivre, à mon avis, je vais être large. Je vais être large, parce qu'on a doublé là la production hein, quand même. Hein. On n'avait qu'une ligne et demie, et là on va passer à 3 lignes quoi. Donc ça devrait être pas mal. Salut. Alors, comment on prononce ça? Cthul. Bienvenue à toi, Cthul. T'aurais tout mis en MK5 perso? Ouais, je sais. Je sais. Mais ça fait partie des handicaps. Ça fait partie des handicaps que je me mets. Parce que sinon, le jeu est trop simple. Il faut se mettre un peu de difficulté. Devoir tout calculer et tout comme ça. Et puis, esthétiquement, honnêtement, c'est plus joli de voir les items passer en continu que d'avancer bloqué, avancer bloqué, avancer bloqué. C'est pas beau. C'est pas beau. Hop. Donc moi, le but, bah, c'est qu'il y ait un mouvement qui soit continu. D'où le fait que j'adapte la vitesse des convoyeurs en fonction de ce qui passe dessus. Et je trouve ça agréable en plus. Ça demande à faire un peu plus de calcul, mais je trouve vraiment que c'est encore plus satisfaisant. Après, ça revient exactement au même. Putain, mais c'est pas possible. Après, ça revient exactement au même que de mettre du MK5 partout. Ou... C'est sûr que ça change rien à la prod, hein. Ok, il n'y a pas encore de courant ici, je pense. On va juste vérifier, tiens, si j'ai déjà branché ou pas. Non, j'avais pas branché. Hâte de voir l'update 6. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ça va, normalement, il n'y a quasi rien qui devrait bouger sur ma sauvegarde. Parce que... ils enlèvent les balises, etc. Ils disent que toute la production de balises, elle va être arrêtée. Bah, j'en produis pas, pour l'instant, des balises, donc tout va bien. Ils vont refaire tout ce biome-là, il fallait rien construire. Bah, j'ai juste les puits de pétrole qui sont utilisés, donc au pire, bah, je remettrai les puits de pétrole un petit peu différemment, et puis basta. J'ai fait aucun design là-bas, rien du tout. Donc, en vrai, je vais pas être grandement pénalisé, moi. Il y en a, ils doivent bouger toute leur base. Moi, ça me change que dalle. Pour le coup, c'est cool. Ok, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Vas-y, branche, connecte. Tac. Ok, mon séparateur. Comment tu ouvres la map? C'est une recherche MAM que tu dois faire. C'est avec le quartz. Sinon, c'est la touche M. Tu vois, t'as les raccourcis en bas à droite, là. Moi, c'est la touche M. Et tu vois, si toi, il n'est pas mis dans ton jeu, eh ben, c'est que t'as pas fait la recherche. C'est pour ça que je te disais, les recherches MAM, c'est ultra important. Yeah. Ah, je suis en train de penser à Wankid là. Et je me dis, ça va pas être drôle pour eux quand ils vont se taper les bugs de serveur. Quand il y en a un qui va poser les convoyeurs verticaux, que ça va être link, mais ça va pas marcher. Ils vont péter des câbles. Pour les trains, ça va être pareil. Donc 40 ici, 80, 120, 160, 200, 240, 281 et tout le reste en MK4. Ok. Alors maintenant, il faut que je me dépêche de mettre ça. Ce serait bien. Sinon, ça va commencer à stacker là-dedans et ça va pas être cool. Les pipelines sur les serveurs, ça ligne pas. Ouais, il y a tellement de bugs sur plein de trucs. Les rails de train, les convoyeurs verticaux. Des fois, c'est l'élec aussi. Tu peux pas brancher sur un support élec. T'as les ressources qui disparaissent visuellement sur les tapis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de trucs. Les véhicules buggés aussi, tu es coincé dedans. Ok, 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100 par là. Et voilà. Multi pas encore prêt à être joué, je pense. Ouais, c'est dommage. GG à toi, Don Gardu, pour ton autoban. GG. Après, pensez pas que c'est moi. Hein. C'est vous comme des grands. Ok. Est-ce que je vais le relier là-bas ou est-ce que j'attends? Non, je vais pas attendre, je vais le relier direct. Je vais le relier. Hop. Ici. Là, je ferme. Ah, on dirait pas, mais la petite vague là pour faire exactement la même, ça va être chiant. Pardon, c'est sur le milieu. Ok. C'est sur le milieu ici. Ok. Et ensuite... sur le bord de ce côté là et après c'est tout droit. Ok, très bien. Okay, bien. Ça, il y avait déjà. Ok, très bien. Allez hop. Ça passe comme ça, ici. Tiens, d'ailleurs, Tourment me fait penser que vous avez toujours un jeu à gagner avec la commande pour d'exclamation Bistouquette. Il n'a pas été gagné encore. Hein. On va peut-être se faire un giveaway, tiens, là, d'ailleurs, en live. Je termine de raccorder ça, et puis pourquoi pas. Faut que je regarde si c'est possible ou pas, est-ce que j'ai à vous offrir. Le truc est là. Hop. Une petite lambeau, bien sûr. Il y a beaucoup de streamers qui offrent des Lamborghini. C'est bien connu. Droite. Toi, tu descends de là. Et... juste un PC, ça me suffit. Bah oui, bah oui. C'est le minimum. Ah, bah... ah pardon, je savais pas. Ah mince. Ok, allez vas-y, viens là. Let's go. Bon, si je me mets là, je suis pas bien placé, donc ce sera de la connerie. Ça le fait. Il me reste combien à raccorder? Après 3? Ouais, 3 ça passe là comme ça. Là t'en fais 1, 2, 3. Il me restera un petit peu de place comme ça. Ok, c'est bon. Oula! Je suis de travers. Je suis de travers. On va te décaler d'un cran. Ah, je préfère. J'en ai 53 autres trop, je les mets dedans. Voilà. Ok, ça va soulager là au niveau des ordinateurs, ça sera plus simple de produire. Ok, très bien. Déjà une lambeau. Alors attendez, je vais check juste ce que j'ai à vous offrir en termes de giveaway. Si j'en ai ou pas. Que je regarde ça. Ah ouais, tiens, j'en ai un. J'en ai un. Je vous demande 2 petites secondes là, le temps de préparer la commande, que vous puissiez tous participer. Alors je vous rappelle que les giveaways qui sont faits pendant les lives, vous avez tous une chance de gagner, que vous soyez simple viewer et que vous veniez de découvrir le stream ou pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de aller follow, enfin aller choper les chaînes sur, comment dire, pas comme sur certains streams où on vous dit ah, il faut aller liker la page Facebook, aller sur la truc, aller sur machin, aller sur bidule et tout. Non, il n'y a pas de tout ça. Il faut juste être présent, il faut juste être là au moment du tirage au sort que je mets sur une demi-heure. Comme ça, ça va, c'est pas trop long, ça vous laisse le temps de taper. Par contre, je vous rappelle aussi que les subs ont 5 chances de gagner. Donc si vous voulez vous sub, bah, c'est le moment de le faire. C'est ma manière à moi de vous récompenser, de vous remercier de vous sub. Mais pensez pas que parce que vous n'êtes pas sub, vous n'avez aucune chance de gagner, bien au contraire. Et donc, c'est parti, vous n'avez plus qu'à taper la commande pour l'exclamation quête cadeau. Et salut à toi, Aréoport, bienvenue. Et donc voilà, point d'exclamation quête cadeau, K-E-T-K-D-O, et puis c'est bon. Merci Novx, c'est dur à dire ça, merci beaucoup pour ton follow, merci infiniment. Hop. Allez, du coup ici, donc là c'est bon, hein. on est en train de remplir ça, on est en train de tout remplir. Hop. J'ai à toi, Nox. Bon bah bonne chance à toutes et à tous, hein. Une petite demi-heure pour vous inscrire. Une demi-heure, le tirage au sort sera fait. Alors s'il y a un modérateur qui est présent, c'est lui qui le fera, sinon, sinon c'est moi qui le ferai. Alors, t'as bien tapé dedans? Ah ouais, j'ai bien tapé dans le fond, là. Tape dedans, à la fin. Hop. Ok, allons voir au niveau ordinateur, maintenant, voir ce que ça dit. Je devais prendre des cadres modulaires lourds aussi, des moteurs, des balises. Attends, et si je dois rajouter 6 façonneuses aussi? Que je prenne tout ce qu'il faut, là, que je fasse pas des allers-retours bêtement, là. 6 façonneuses... ok, il me fallait aussi peut-être des assembleuses. Je crois qu'il y en avait 14 à mettre de mémoire. Ah bah il me manquait plein de trucs. Ok, ok. On va aller chercher, on va faire nos courses là. On va prendre tout ça, c'est juste à côté. Et on va là-bas et on bosse. Par là-bas. Est-ce que j'ai des conneries sur moi aussi achetées ou pas? J'ai juste ça, j'en ai pas besoin. Le plastique, je peux les garder. Faudrait que je reprenne des câbles, mais j'en ai déjà qui arrivent là-bas, donc c'est pas la peine. Du MK1, j'en ai déjà là-bas. Des plaques, j'en ai là-bas. Les MK3, j'en ai assez. MK4, j'en ai assez. MK5, c'est bon aussi. Ça va être pas mal tout ça. Allez, on chope les cadrans modulaires lourds. Bon, vu la prod que j'ai de cadran modulaire, lourd, hein, regarde-moi ça. Par une vitesse, le truc. Allez, on dirait même pas que j'en ai pris tellement ça va vite. Ok. Maintenant des moteurs. Moteur, faudra que je double la prod aussi. Hein. J'avais fait une de prod, mais j'ai pas fait encore beaucoup. Normalement, ce bâtiment-là, il va se poursuivre jusque là-bas, mais entre ce que je dois faire et ce que j'ai le temps de faire, c'est pas la même chose. Des rotors, il m'en faudrait 56. Je vais en prendre une centaine. Je vais être large comme ça. Ok, impeccable. Les balises, je les fabriquerai sur place. Il faudra juste à jeter les crottes. Ça aussi je vais foutre dedans, ça me prend de la place pour rien ça. Allez hop, dégage. Ok. J'étais parti pour m'occuper de mon stockage centralisé, je me suis laissé distraire. J'ai fait de la déco. Ah ouais non mais... Ouais satis quoi. Tu pars faire un truc et puis finalement tu fais complètement autre chose. Faudrait que je capture des dogos aussi, ce serait bien. Parce que j'ai fait un gros bâtiment pour ma ferme à dogos. Et j'ai foutu aucun dogo dedans encore. J'avais fait la ferme à dogos parce qu'il y en a qui pensaient que... Il fallait absolument passer par des sites pour pouvoir faire des bâtiments arrondis comme ça. Et je voulais leur montrer que non. Donc je l'avais fait en live. C'est trop sage avec capacité d'attention d'une palourde. Tombe bien, il y en a dans le jeu aussi. Allez, hop, on arrive de l'autre côté. Hop. Merci à vous d'être présent. Attendez, je check un truc. Juste 2 petites secondes. Hein. Ok. Ça c'est bon. Ok, parfait. Très bien. Hein, je regardais s'il y avait toujours qui était sur Satis. Il y a pas mal de monde sur Satis ce soir. Pas mal de petits streamers. Quand on finira le stream, pas tout de suite, hein, y a quelques heures encore. Mais dans quelques heures, quand on arrêtera le stream, on ira faire un raid sur une petite chaîne. Salut Dobacha. Est-ce qu'on dit Dobacha ou Dobasa? Et bienvenue à toi en tous les cas. Totalement honteux. T'as les points de chaîne pour ça. Et Kérosène d'ailleurs, t'as tapé la commande pour l'exclamation quai de cadeau là dans le chat pour participer au giveaway là qui arrive dans pas très longtemps. Une petite vingtaine de minutes je crois. je laisse la chance aux autres. C'est bien urbain. C'est une autre manière de dire j'aime pas le jeu. C'est plus politiquement correct. Enfin, pareil, il y a certaines femmes dans la rue, je dis ah, je laisse la chance aux autres. Certes. Tiens, ton PC n'est pas encore explosé? Non! Mon PC n'est pas encore explosé. Mon PC va très bien, c'est le moteur graphique du jeu qui lâche en général. Ça arrive des fois qu'il fasse des crashs. Hein. Ça arrive trop souvent même d'ailleurs. Ok. Et là, j'ai plus de ressources encore dedans. Il me reste 608 là en stock. Et là, combien il me reste en stock? 4000. À quelle vitesse ça part ici, là? Alors, pourquoi ça part beaucoup plus vite ici que de l'autre côté? Ici, je suis en quoi, là? Je suis en MK4. Là, je suis en MK4 aussi, quoi. Y a pas de raison. Là, niveau plastique, ça donne quoi? Il n'y en a pas des masses. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour faire une deuxième connexion de plastique là-dessus. Hein. Ça n'a pas l'air de se charger à fond, quoi. Alors là, ici, par contre, c'est nickel. Et là, est-ce qu'on a le même problème? Ah, là, c'est blindé aussi. Alors j'en ai qui sont blindés, j'en ai d'autres qui ont du mal. Est-ce qu'il faudrait mieux pas que je fasse un système au sous-sol avec les séparateurs intelligents pour dire que si jamais ici c'est plein, que ça aille se décharger dans les autres? Est-ce que celui-là il est toujours en train de charger aussi ou pas? Il est en train de charger aussi. Hein. Attends. Non, il est là. Celui-là, il est plein aussi. Et que celui-là qui est pas plein, alors? Il est vide. Celui-là, il est plein, ok. Et celui-là, complètement à gauche, il est en train de se vider. Et là, complètement à gauche... Tu devais pas DBD? Si, si, mais on est venu me prévenir que ça a été annulé. Donc, je reste un peu sur Satis. Je me fais plaisir. J'essaie de vous faire plaisir aussi, en même temps. Ok, on va aller check en dessous, voir comment ça se passe, là, au niveau des convoyeurs. Cool, ouais. Je sais que ça te fait peur, toi. Deux lignes vides, et les autres ne tournent pas. Ok. Ça te dit quoi, là-dedans, là ? Plein, plein, plein. Vide. Plein, plein. Vide. Alors les deux qui sont vides, c'est lesquels? Les deux qui sont vides, c'est lesquels? Et toi? T'es quoi toi? T'es train de tôle de cuivre justement. Ok, ils viennent de faire le plein des tôles de cuivre de l'autre côté. Ok. On va les check. Juste, j'ai envie de bien comprendre sur... Ouf. Sur quoi ça n'avance pas. Savoir sur lequel c'est. Je pense que c'est... J'espère que c'est les mêmes, ce serait bien. Alors les deux qui n'avancent pas, c'est les deux qui amènent au stockage. D'accord, au stockage qui se trouve ici. Et là, il y en a presque plus dedans. Ok. On va prendre tout cela et puis on va les refoutre là-dedans. Ok. Et là, pareil, on va faire un petit truc comme ça aussi. Histoire de les soulager un peu. Tac. Ok, je reprends un. Donc ça, normalement, on est d'accord que ici, maintenant... J'ai beaucoup plus de feuilles qui arrivent. 200, 2008, Ok, 2,6. Ah, ok. Et tout vient se charger là-dedans et j'en ai qu'une qui ressort de ce côté-là et une autre de l'autre côté. Ok. J'ai 2 fois 480... Oui, ok, très bien, très bien. À la limite... Non, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave si je fais ça. Ok. J'essaie de comprendre hein, ce que je vais pouvoir faire pour que ça ne merde pas. Alors, les assembleuses, elles sont déjà là. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, x 2, 14, c'est bon. On a notre compte. Bien. Okay. Ici. Du coup, tu gardes quand même le titre. Non, il a été changé le titre EOS. Ah, pas mal ce jeu, hein. Tu as dû y passer pas mal de temps. Ouais, je suis à peu près à 5200 heures, bientôt 5003. Mais attends, mais aéroport, tu connaissais pas du tout le jeu avant de débarquer ici? Mais d'où viens-tu alors? Comment es-tu tombé sur ce live? Dans cette sauvegarde là, par contre, je te rassure, hein, j'ai 787 heures. Je vais pouvoir relancer toutes mes usines après avoir déplacé tous mes stocks. Par hasard? Eh ben écoute, bienvenue à... Alors putain, génial. Putain, c'est cool. C'était dans les chaînes recommandées Twitch? Où t'as frappé ton clavier, ça a écrit Ketrarde et t'es venu là? En fait, c'est vraiment un jeu où tu dois optimiser. En fait, tu optimises et tu fais de la gestion d'usine, en fait. C'est vraiment pas simple. Là, par exemple, je suis en train de me demander comment je vais pouvoir passer, mettre une autre prod, ici, avec les trucs en face, sachant que ça, c'est là. Ça va pas être simple. Hein. Ok. Eh ben, t'as bien fait. Si t'aimes bien le jeu aussi, on a un Discord qui est assez actif sur Satis. Toujours, il y a des gens qui postent des petits trucs à droite, à gauche, etc. dessus. Pas mal de photos aussi, des réalisations des gens.